Salut toi, tu vas bien? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah merde. J'espère que vous allez bien. Alors, en fait, j'ai mis des, voilà, là, des petits diamants. Il y en a un qui s'est barré. Bon, je vais pas recommencer encore. Je voulais vous dire, je sais plus quoi. Je vais recommencer. Hein. Salut toi, ça va? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer tous les échantillons que j'ai reçus. J'ai fait le petit déco, petit clin d'œil à Halloween qui approche. Je voulais également vous dire que dorénavant, vous aurez une vidéo tous les deux dimanches. Tous les deux dimanches, je me répète, à 18h. Ça se peut que je le poste avant, mais à 18h, si vous venez sur la chaîne, vous aurez la vidéo. Tous les deux dimanches. C'est-à-dire, ce dimanche-ci, vous avez cette vidéo. Dimanche prochain, vous n'aurez pas. Dimanche d'après, vous en aurez une autre. Ainsi de suite. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas de notification, eh ben, vous aurez un rendez-vous tous les deux dimanches. Après, les vidéos peuvent être variantes, ça peut être échantillon, gain concours, etc. Bref, j'arrête de blablater. Allez, je commence par les magazines. J'ai le magazine Affidel que je reçois régulièrement. Madeleine aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à ces magazines, ben vas-y, vous allez le recevoir chez vous. J'ai aussi mis Milad, ça je le reçois rarement, mais je le reçois quand même. J'ai aussi reçu cette offre de rapidité. Alors, ça c'est de, je crois, Europe Union. Et d'habitude, c'est une petite livre avec plein de petites activités pour les enfants. Mais là, c'est une très grande poster. Voilà, une très grande poster comme ça. Je ne sais pas si sur la vidéo vous allez le voir, mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que vous puissiez voir, pour que vous ayez une idée qu'est-ce qu'on peut voir sur le postage. Moi, je ne sais pas parce que je n'ai pas pu voir et je ne l'ai pas encore regardé. J'ai eu une petite enveloppe comme ceci. Hop, là, comme ceci. Alors, ça, c'est vos gourmandises fruitées intérieures et un cadeau. Alors, normalement, il y a un cadeau à l'intérieur. On va voir ça. Alors, vous fêtez Halloween ou pas? Ah, dites-moi en commentaire si vous fêtez Halloween ou pas. Alors là, il y a, je pense, il parle un petit peu de tout sur, alors, offre privée de découvert. Chers amis, je vous invite à savourer une balade gourmande. Alors là, j'ai un brochure. Alors, j'ai un brochure avec un bon de. J'ai des bons de 10 euros, mais c'est une petite catalogue qui se présente comme ceci. Il y a des petites recettes qu'on peut faire et un bon de commande si je veux passer commande. Alors, ça, c'est de Voyage gourmand et fruits au cœur de Provence. Je ne sais pas si c'est ça le. Mais bon. Je crois que c'était des échantillons, mais c'est pas mal. Je regarderai plus tard. Ensuite, j'ai reçu une petite enveloppe comme ça. J'espère que je ne parle pas trop vite. Hop! Une petite enveloppe comme ça. Et dedans, on a une petite échantillon de Chanel beige comme ça. Hop! Voilà.
C'est quoi ça? Alors là, c'est pas une crème hydratante, c'est plus une fond de teint de Chanel. J'ai reçu une petite échantillon de Lancôme. Voilà, il se présente comme ça. Je l'ai déjà testé, ça, je l'aime bien. Et il revient souvent. Il revient souvent. J'ai reçu également une petite échantillon de Dior Sauvage. C'est une petite échantillon parfum pour homme. Voilà. Et celui-là, il se présente comme ceci. Alors, le petit livret et le petit échantillon juste ici. Ensuite, j'ai reçu. Ouais, j'arrête pas de dire reçu. Qu'est-ce qu'on peut dire à part reçu? Si j'ai reçu. J'ai ça. Non, non. J'ai reçu encore. Oui, mais je l'ai reçu. J'ai reçu. Bon, arrête un peu là. Ce petit échantillon. Alors, ça, c'est Ultinium. Alors, c'est Chichien. Chichido. Je ne sais pas si je prononce bien. Je m'en excuse d'avance. Alors là, c'est une petite. C'est bon. J'ai reçu ça. Alors, c'est un échantillon également. On va voir comment ça se présente. Hop. Alors, il y a le petit. Comment dire ça? Le petit bon. Le petit bon. Et dedans, il y a un échantillon comme ça. Alors, est-ce que c'est pour homme ou c'est pour femme ou peut-être les deux, hein? Je sais pas. Dites-le moi en commentaire. Oh! Si vous le savez. Bref, là, un petit échantillon de parfum. J'ai reçu ce petit enveloppe. Alors là, je pense que c'est un. Je crois que c'était un sérum, si je me trompe pas. J'arrête pas de bouger, moi. Oh. Allez. Alors là, c'est une petite échantillon pour homme. Signe Afrogance by Mercedes-Benz. Voilà. Petit échantillon pour homme. J'ai également reçu de Guerlain. Ça s'est écrasé. Je pense que c'est la factrice quand elle l'a mis dans la boîte aux lettres. Et ben, elle a. Bref, elle l'a mis, elle l'a mis, elle m'a pas fait venir le récupérer, mais bon, elle a. Mais c'est pas grave. C'est le produit qui doit être en bon état. Et le produit est en bon état, c'est bon. Du coup, là, j'ai. Ça se présente comme ça. En tout cas, moi, ce packaging, je l'adore. J'en avais déjà reçu un comme ça, je crois, l'année dernière. Et je l'ai gardé, le petit packaging comme ça. Même ça, pour les voyages et tout, c'est top d'avoir des petits échantillons comme ça. Bon, bref, vu que la boîte, il est chose. Voilà, des petits échantillons comme ça de Abbey Royal. Ça, c'est un produit que j'aime aussi. Bon, il y avait le petit brochure avec. J'ai également reçu de Lancôme Idole. Voilà. Comme ça, une petite échantillon de parfum. Et le petit brochure qui accompagne. Alors, pour ceux que ça peut intéresser, au fait, chaque échantillon qu'on reçoit, on a des petits brochures. Et ces petits brochures, des fois, il y a des petits cadeaux. Des fois, il faut acheter un produit spécial, etc., pour recevoir ce cadeau-là. Mais des fois, il faut juste présenter le petit brochure. Alors là, c'est pas le cas.
Là, il faut acheter un parfum pour pouvoir recevoir ce cadeau-là. J'ai également reçu de Paco Rabanne. Hop. Un échantillon de parfum. Alors, Paco Rabanne, à chaque fois, il présente son échantillon dans un petit sachet comme ça. Mais comme vous voyez là, il est comme les petits parfums, tous. Et le petit brochure qu'il y a avec. Voilà. Non, c'est pas terminé. Reste encore 2 minutes maxi là, j'ai fini. Deuxième magazine de Madeleine, je pense que c'est ça, c'est celle du mois dernier. Et pour finir, je vais ouvrir le test. Alors, c'est un test secret. Voilà. Hop. Alors, le test, c'est pour tester les cigarettes Hershey. Alors, il se présente comme ça. Voilà. Alors, c'est de la marque Vuchy. C'est un Etainq Mini. Je vais voir comment c'est. Alors, moi, je fume beaucoup. Mais j'ai arrêté. Maintenant, je fume que l'électrique. Mais les cigarettes électriques. Mais je fume aussi très rarement maintenant. Voilà. Quand l'envie m'en prend, au lieu de prendre une cigarette, et ben je prends la cigarette électrique. Sachez que mon mec, lui, il fumait 2 paquets de cigarettes par semaine. Il a eu des problèmes de santé et ça lui a fait un déclic, si on peut dire. Il n'a pas arrêté tout de suite la cigarette. Il a pas arrêté la cigarette tout de suite, mais il a pris les cigarettes électriques. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent les cigarettes électriques et qui ne mettent pas de nicotine du tout. Eh bien, c'est pas bon. Si vous voulez arrêter de la cigarette, vous prenez la cigarette électrique, c'est bien, mais il faut commencer avec de la nicotine. Il faut mettre de la nicotine au niveau que normalement il doit avoir dans une cigarette, etc. Et puis vous le diminuez petit à petit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nicotine. Par la suite, ça vous arrivera des moments où vous aurez envie de fumer une cigarette. À ce moment-là, vous rajoutez encore un tout petit peu de nicotine, juste pour calmer cette envie, etc. Et puis, vous l'enlevez discrètement, comme ça. Comme ça. Et vous verrez, au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin de nicotine. Après, ce sera juste le geste de vouloir fumer, voilà. Voilà. Est-ce que je vais l'ouvrir celle-là? Je vais le péter avant même de l'avoir utilisé là. Bon, allez, on va le casser parce que je ne veux pas sortir. Alors, il se présente comme ça. J'avance, je recule, j'avance, je recule. Et voilà, il est comme ça. Voilà, il se présente comme ceci. Il y a le petit câble pour mettre à charger. Et ils m'ont également mis un peu de liquide, comme ça, classique. Voilà. Je vais tester ça et je ferai un petit pause, un petit retour et tout. Mais je pense que ça va. Ça va m'aller puisque j'utilise déjà les cigarettes électriques. Sur ce, moi, je vous souhaite. Il est passé. S'est barré. Bon, sur ce, moi, je vous souhaite un joyeux Halloween. Je vous dis à très bientôt et je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit commentaire. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!